Que je présente cette vidéo et au premier désolé Aïssor, je crois que je vais te laisser ta parole si tu pouvais bien. Oui Olaf, la prochaine fois c'est moi. Bref, hello mes amis, c'est Aïssor Farboya. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo indie. Oui, je présenterai cette peluche, c'est Olaf dans l'arrêt des neiges. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite. Comme vous l'avez vu, le titre que vous attendez tous. Et oui, et comme j'ai la nouvelle poupée de... bon, je n'en dis pas plus, c'est une surprise. Et du coup, je vais vous la montrer inédite. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard, mes amis. Donc, il s'agit de... Bon, je sais que j'en ai plein de poupées de... Barbie au péto comme ça, mais je vais vous faire la review. La poupée s'agit de Réponse. Je sais que j'avais acheté les autres poupées de Réponse au vigromier, mais comme j'avais pas le temps de vous présenter tout ça, mais du coup j'en ai vraiment pas le choix. Donc ces poupées là, c'est ma mère qui a réussi à commander sur Vinted et elle coûtait pas très cher, je crois, ces poupées-là. La vendeuse a dit que ça coûtait entre 10 euros ou 15 euros, je sais pas, sûr de moi. Mais je suis bien contente de l'avoir, cette poupée-là. Et je suis trop contente de cette poupée-là. Par contre, je l'évite d'ouvrir cette boîte-là parce que je préfère la laisser dans la boîte parce qu'elle est vraiment super fragile, cette poupée. Et du coup, elle est vraiment très propre et j'ai pas envie d'utiliser cette poupée là pour ma série. Je préfère la laisser dans la boîte. Mais vous inquiétez pas, j'ai deux poupées de Réponse de Disney Princess, donc vous inquiétez pas. Mais bref, voilà. Donc c'est parti pour la review. Donc dans la boîte, on retrouve Anna Twerk de Réponse en dessin animé version. Oui, parce qu'il existe Réponse en version série en dessin animé, parce que j'ai vu sur Disney Channel. Il n'y a pas très longtemps que j'ai vu. Il y a écrit Disney Princess Royal Shimmer. Ah, parce que j'ai compris. Moins de 3 ans. Oui, bon, ça c'est 3 ans. Et c'est signé Hasbro. C'est une nouvelle poupée qui n'était pas très longtemps qui était sortie. Et du coup, voilà. Donc, dans la boîte, on trouve la poupée. Elle est très belle. Là-dedans. Et donc, je vous ferai la review là-dedans, mais plus tard. Du coup, bah là on trouve encore une fois la petite princesse royale Chimère. Enfin, Chimère, on dirait comme ça, quoi. Et après, il y avait une petite phrase qui est trop chou. Il écrit « La passion de la créative de Réponse, la mène vers une ouverture qui lui apprendra à mieux se connaître. » C'est ça la phrase de Réponse qui est jusque là. Et là on trouve Anna Twerk de Réponse, comme d'hab, avec son cheval, je me demande. Et il dit toute une collection à compléter. Et là on trouve Pascal, son petit lézard. Et là t'as tous les je sais plus combien il y en a, les poupées Disney Princess, mais je vais vous dire.
Il y en a 12 à collectionner, toutes les petites princesses. T'as Rebelle, Tiana, Ariel, Cendrillon, Blanche-Neige, Jasmine, là on trouve Réponse, Mulan, Aurore, Vaiana, Belle et Pocahontas, ce qui est juste là. Il y en a 12 poupées à collectionner, vendues séparément, dans la limite de stock. Oui, bon, ça j'ai bien compris. Mais il y a écrit attention, petite pièce. Oui, ben c'est juste que la cour, le truc, mais bon. Là aussi, là écrit Hasbro, qui est juste là. Du coup, elle est super mignonne. J'adore. Bref. Donc, c'est parti pour la review de la poupée. Du coup, là, on trouve Dano dedans. On voit pas un peu beaucoup la flash. On voit le petit scapin. Violette, transparent, c'est super mimi, c'est super joli. Je savais pas que Réponse elle avait des scarpins. Normalement, elle est pieds nus, normalement. Et je sais pas pourquoi elle a mis des scarpins, mais bon, c'est pour eux. La robe, alors je vais tourner parce que voilà. La robe, elle est très très belle. Elle est violette, flashy. Violette, plein de paillettes dessus de sa robe, c'est super joli. Elle est vraiment très belle. Le tuyau, il était en plastoc, je crois, parce que j'ai pas envie de la toucher. Donc voilà pourquoi je préfère pas l'ouvrir. Et pas envie, parce que comme c'est hyper fragile les poupées comme ça, j'aime pas que les gens entrent à ouvrir tous les poupées et comme si ils comprennent jamais rien. Du coup, je ne dis pas plus parce que après ça va faire des problèmes. Donc voilà. Donc le haut, il est comme ceci. Il a le petit nœud de rose, super mimi, comme ceci. Avec le petit frou, je sais pas c'est quoi, mais bref, elle est comme ceci. Et du coup, elle est très belle. Du coup, on voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Au niveau de son visage, elle a rouge à lèvres beige, super jolie, ça lui va bien comme ça. Elle a différentes paupières beige aussi, elle a des marrons jaunes et marrons, c'est super joli. Non, marron et. Non, elle a des. Non, je crois qu'elle a les yeux jaunes et beige et vert. C'est un peu incroyable que je voyais des poupées comme ça, c'est trop beau. C'est super belle. La couronne, elle n'est pas jaune, elle est rose. Je savais pas que la couronne de réponse, elle a une couronne jaune, rose, pardon, mais normalement elle est jaune. Mais c'est pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Du coup, alors, au niveau de la coiffure. Les cheveux, elle est comme ceci, elle est super qualité, mais bon, j'ai pas envie de la toucher parce que vu que la poupée elle est très 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 fragile, elle est comme ceci, du coup voilà. Alors du coup, bref, je suis un peu paumée. Du coup, la coiffure, elle est comme ceci, elle est très très longue, mais normalement, Réponse, elle a les cheveux jusqu'au pied, au niveau de sa taille, mais comme la poupée, elle était un peu courte, mais c'est pas grave. Du coup, Hasbro a décidé de faire cheveux courts, comme ça, un tout petit peu long. Parce que les cheveux, s'ils laissent traîner là-dedans, ça fait un peu abîmé. Donc, je préfère pas. Enfin, ils préfèrent pas. Du coup, voilà pourquoi ils ont décidé de les laisser là-dedans, comme ça. Voilà. Du coup, cette poupée-là, je suis bien contente de la voir parce qu'elle est magnifique. Je la voulais tellement. Mais j'ai bien retrouvé les autres poupées Disney Princess Royal Chimère. Si je peux trouver en magasin, je vais voir. Et je préfère la laisser dans la boîte parce que c'est super mimi. Et en plus, elle est APK, ces poupées-là. Derrière, il y avait un château. Mais je savais pas qu'il y avait un château là-bas. Mais je me demande si c'est pas le château de Disney. Je ne suis pas sûre. Du coup, voilà pourquoi. Ma mère m'a acheté ces poupées-là. Mais je préfère la laisser dans la boîte. J'ai pas envie de l'ouvrir. Parce qu'elle coûte super cher et en plus, elle est très 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 bon état. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de la laisser là-dedans. Voilà. Youhou, c'est encore moi. Olaf! Oui, excuse-moi. Je te laisse ta petite parole. Donc, je vous disais, Olaf, la prochaine fois, tu tais. Mais bref, voilà, c'était la review de la nouvelle poupée de réponse que je l'ai eue sur Vinted grâce à ma mère qui m'a commandé. Je suis bien contente de l'avoir, cette poupée-là.
Je suis très 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 content. Maintenant, le prochain review, ce sera peut-être alors soit Aurore, soit Vaiana, parce que vu que j'ai les autres poupées à vous présenter tout ça, mais déjà, il faut que je continue à vous présenter toutes les poupées que j'ai achetées au Vigrenier d'Outerville, parce que oui, et même les poupées de Vigrenier de Toury. Voilà. Donc, bref, cette review vous aura plu. Et bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle nouvelle vidéo inédite, tout simplement. Donc voilà. Gros bisous mes abonnés. Ciao. Voilà, je suis bien content pour elle. Donc, bye bye mes amis.